La Fura dels Baus, il naît 1979 a Moià. C'est un petit village proche de Barcelona, a 40 km. La Fura, il naît 4 anys après de la mort de Franco. Et à partir de ce moment, il arrive la culture à la rue, dans le théâtre, partout. Je crois que nous sommes en compagnie très intuitive. Mais en même temps, bien sûr qu'il y a un rapport vers les années 60. Happening, performance, body art. On aimait beaucoup Antonin Artaud et son théâtre de la cruauté. Mais pour nous, le plus important, c'est la investigation, essayer des choses. On fait un travail très empirique de proof et erreur, non? Et le plus important, c'est surtout le travail collectif. Pour moi, ça a été tellement une de les choses plus importantes dans ma trajectoire, dans ma carrière, non? Le Grand Macabre, parce que c'est ça. Ça m'a donné la possibilité de commencer avec un nouvel team, et cet team qui s'ha continué jusqu'à maintenant. Déjà pour moi, c'est un gran changement avec tous les titres que j'ai fait, les titres précédents, no? Peut-être parce que c'est un pièce qui vient du théâtre de l'absurd, no? De Michel Gelderode, belge, je crois, no? Il m'a donné la possibilité vraiment, tu vois, de jouer avec la fantaisie, avec les choses fous, le théâtre de l'absurd, tu peux faire ce que tu veux. Et c'est comme ça qu'un jour, chez l'atelier d'Alphonse, on a parlé, j'ai dit, écoute, est-ce que moi, cette pièce, ça m'a fait penser à la mort, no? La peur qu'on a, les humains, à la mort, no? C'est comme si, tu vois, au point d'avoir un accident, hostia, ça t'arrive, je sais pas, des images, ça t'arrive des choses. C'est pour ça qu'on a imaginé, pourquoi pas, c'est en personne, le décor, ça té Clàudia, le nom, il vient d'Anna Mianou, que c'est un chanteur d'òpera català, que s'appelle Clàudia, parce qu'on a pris elle et son corps, no?, com a objecte, no?, pour le décor. I a partir d'ici, s'ha de cercar la coherència, no?, un concepte capable de vertebrer, diguem-ne, tot l'histoire. C'est pour ça que Lluc, il a fet le décor, c'est Pages Popo, pues, ça a été avec le système lymphatique, que c'est le système d'alerte de le corps, no? Parce que c'est la police, no? La Gespopo. Le ministre blanc blanc et noir, ça a été bleu et rouge, parce que c'est le système de la circulation, no? de la sang. Bueno, tout, il a tourné vers l'idée de le corps. I per nosaltres ha estat el primer contacte amb el personal de la Monnaie i la gent que treballa en aquests ateliers. Això ha estat per nosaltres una cosa magnífica. I fa per mi sempre que jo puc actualitzar la pièce, l'amener a l'actualitat, perquè com això j'essaie de trobar aquesta liaison entre la pièce i el públic. Le public d'aujourd'hui. Ça, je trouve que c'est important. Que le public, il peut se reconnaître sur la scène. Après, tout le monde dit, ah, mais tu as fait un théâtre, l'opéra, des spectacles très visuels. Oui, parce que j'essaie de jouer avec l'impact visuel. No? Et parce qu'à travers de la chose visuelle, de le décor, le vidéo, tu peux donner plus de relief, tu peux aller plus loin encore. No? O tu peux sortir de le théâtre, no? Quan Peter m'ha demandat de fer Œdipe de Nescu, jo me demandé, ell me diu, «Mais c'est quoi Œdipe? Oui, c'est un tragèdia grec, mais surtout c'est un clàssic». C'est quoi un classique, je me demandais. Et j'ai regardé au dictionnaire
Ell diu, no, le, je sais pas si je peux bien raconter en francès, eh, mais clàssic c'est cette chose que ça peut perdurer pendant le temps, no? Parce que il y a les valeurs qu'il y a cette pièce, cet livre, no? Cette histoire, il peut rester pendant les années, no? L'histoire, parce que il y a la force toujours, la même force, qu'est-ce qui c'est toujours actuel, c'est toujours actuel, no? Et je me dis, pourquoi pas faire voyager Œdipe à travers de l'étang? C'est pour ça qu'on commence avec cette espèce de retable, de choses baroques, où il y a la présentation de tous les personnages. Après, on passe pour la chambre de Freud, no? Quan il parle, Œdipe, avec Merope, sa mère, no? Le complexe d'Œdipe, no? Après la Deuxième Guerre mondiale, après pour le futur, bueno, je l'ai fait voyager et je crois qu'il a donné un chose solide à la pièce, no? Verdi, c'est pas facile. Toujours il c'est le personnage qui raconte tout, plus que tu vois sur la scène, no? Mais ici, bueno, quand il parle de la corruption, infidélité, je sais pas, on a fait que ça passe presque dans les égouts, no? Comme une espèce d'égout, no? Parce que c'est des murs qui montent, ils descendent, c'est une chose des égouts, une chose de, comme un labyrinthe, no? Mais comme la politique, comme la société, ces choses, et très obscures, très noires. Ça, c'était le point de partie. Après de faire trois opéras ici, je demandais à Peter, qu'il a l'habitude de chaque année de faire de nouvelles pièces de création d'opéra. Ça, c'est incroyable. Il y a pas, je crois, notre théâtre au monde, ou c'est une des théâtres au monde où il fait plus de nouvelles créations chaque année. Ça, chapeau pour Peter, parce que vraiment, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Si on veut arriver à un public jeune, il faut donner des matériels, tu vois, et d'histoires d'aujourd'hui, ou quand même créer aujourd'hui. Ou le mettre en scène, il peut avoir en relation avec les librettistes, avec les librets, avec les compositeurs. Tu vois, nous sommes un peu fatigués de travailler avec que des morts, no? J'avais la idée toujours de, parce que j'adore la science-fiction, no? J'avais toujours cette idée de travailler avec Frankenstein, de Mary Shelley, mais en nouvelle version, bien sûr. Je proposais à Peter de faire ça, il a beaucoup aimé au début cette idée. Il m'a dit, écoute, je connais un compositeur, et après je lui ai dit, écoute, je connais un librettiste. C'est une expérience formidable. Vraiment, avoir la possibilité de faire une création au début jusqu'à la fin, plus que l'espectacle final, déjà le procés de création, c'est incroyable, vraiment. C'est une chose extraordinaire pour le vivre, no? La composició, le llibret, la mise en scène, tout au même temps, no? Cette nouvelle imaginaire de Frankenstein, c'est voir que l'homme, il répète toujours la même chose. No? On fait passer la histoire de Frankenstein dans le futur, no? De 1400.
où les scientifiques du futur ils trouvent en dessous de l'hypermartofrost la créature non, de Frankenstein. Non? Il réveille la créature, il la connecte dans une machine et il voit son passé. Non? Mais le nouvel Victor Frankenstein de le futur, il fait le même. Non? Il ne laisse pas se reposer la créature. Non? C'est les méchants qu'il y a maintenant à la politique, non? Mm-hmm. Tu vois, ça peut appeler Trump, Poutine, Erdogan, tu vois, cette classe de politique. Et je l'ai mis dans le cauchemar de ce type de politique. Però c'est bien de faire cette pièce maintenant parce que c'est un portrait en paix de notre société, d'une société très superficielle. On aime bien travailler avec la nouvelle technologie, mais il faut faire attention parce que le multimédia, ça peut être la multimerde. En même temps, il faut vraiment travailler d'une façon que ça serve pour. Qu'est-ce que tu veux raconter? Ça peut être pas superficiel ou décoratif. Sinon, c'est terrible. C'est en contre de ta pièce. No? Que d'une manière très subtile, tu vois, subliminelle, la musique, il donne la force dans une pièce. Tu peux pas te. Tu te pâtis de distancier de la musique. Chaque mouvement, le romanticisme, no? Le néoclassicisme, il te donne un rapport différent à la pièce. C'est pour ça que vraiment, avant de chaque travail, il y a tout un procès vraiment de. D'intégrer tout ces choses dans ta tête, non? Mais c'est aussi important, il faut l'intégrer à la tête, mais après il faut parler avec le cœur et avec l'estomac. Il ne faut pas être trop cérébral, je crois, si tu veux vraiment parler de les émotions. Non? Après cet 5 spectacles que j'ai fait ici, il faut dire que vraiment la monnaie, je ne sais pas pourquoi vous me faites une interview, parce que je l'ai dans mon cœur, c'est une des meilleurs théâtres où on a mettre en scène, une mettre en scène, un décorateur, tu vois, un artiste peut travailler, non? Pour ses ateliers, pour la qualité professionnelle, pour tout.